Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le dimanche 4 février 1900. Le marquis de Queensberry, qui vient de mourir à Londres dans la force de l'âge, n'avait pas qu'à 55 ans et était une figure très curieuse de l'aristocratie anglaise. Issu de la célèbre famille des Douglas, il était possesseur d'une grande fortune et s'était fait remarquer dès son plus jeune âge par un goût très vif pour un sport, tenu d'ailleurs en certaine estime en Angleterre, la boxe. Ce fut toute sa vie un original. Il se rendit même populaire par ses excentricités. Membre de la Chambre des Pairs, il n'y faisait que de rares apparitions, ennemi de tout labeur continu et préférant à la gymnastique de l'esprit celle des muscles. La guerre en Afrique du Sud sert aussi à mettre un grand jour sur les faiblesses de l'équipement. Le Times. Seuls nos officiers sont menus de jumelles de campagne, alors que les bourgs sont amplement pourvus de ces instruments d'optique. Dans une pareille guerre, avec les combats aux longues distances, tous nos sous-officiers devraient être pourvus de ces jumelles. Ces instruments sont en campagne presque aussi essentiels que le fusil. À propos des fusils, on lit dans le Morning Leader, il est indiscutable que la hausse dans les fusils Lee Enfield et les Lee Metford de l'armée anglaise est défectueuse, mais de plus, la mire est mal placée. Elle est trop à droite, et à 100 mètres, l'écart est de 20 cm. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.